Coucou tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Donc comme d'habitude, j'ai préparé trois petits paquets de deux cartes pour les énergies de cette semaine, le premier, le deuxième et le troisième, toujours avec le tarot de Marseille et l'oracle Lama. Donc je vous laisse choisir le premier, le deuxième, le troisième paquet et on est parti. Alors si vous avez pris le premier paquet, alors on a la carte du mat. La carte du mat, c'est un personnage qui avance, qui est un petit peu, il peut à la fois être en errance, il avance, ça c'est vraiment le détail important, c'est que même s'il ne sait pas où il va, il continue d'avancer. Et en même temps, le côté qui est vraiment beau de cette carte, c'est que quand on ne sait pas où on va, en fait, tout est possible. Vous voyez, il y a une notion de liberté dans cette carte, et en plus, elle est associée à la carte plume. La carte plume qui nous parle aussi de liberté, donc... Si vous avancez actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, en tout cas, pour moi, ça va être plus léger. Vous voyez, vous avez vraiment une option, des options infinies un peu devant vous. Et si ça peut être lourd, peut-être par le passé, pour moi, la plume, elle indique vraiment que ça va s'alléger. Ça va s'alléger. Et les plumes, vous savez, c'est aussi, quand on trouve une plume, on dit que c'est nos anges gardiens qui nous envoient un message. Donc, pour moi, il y a une protection là-dessus aussi. Donc, même si vous ne savez pas bien où vous allez, continuez d'avancer. Écoutez vos guidances, vraiment vous êtes protégés et les choses vont se mettre en place. Regardez, étudiez des options peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous voyez, ce genre de choses, mais en tout cas ça devrait se débloquer sous peu, s'alléger en tout cas, et vous êtes protégés. Donc avancez, soyez libres et voyez un petit peu où votre chemin vous mène. Voilà, donc c'est plutôt de bon augure, même si vous ne savez pas où vous allez. Ayez confiance, regardez les signes en fait que vos guides vous envoient et vous devriez trouver votre chemin ou retrouver votre chemin. Ouf, si on a pris le deuxième paquet, on a l'empereur. Donc l'empereur, si vous êtes une femme, il peut représenter un homme dans votre vie, il peut représenter votre conjoint. Si vous êtes un homme, il peut vous représenter vous. L'empereur, il nous indique tout ce qui est d'ordre de la stabilité, des fondations. Vous voyez, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est vraiment nos bases. Et... avec ça, on a la carte illumination. Donc là, mesdames, si vous êtes célibataire, il peut y avoir vraiment une rencontre de quelqu'un avec qui ça va vraiment... ça va briller, hein, ça va être beau. C'est marrant, le reflet est pile au centre du soleil. Donc vraiment, il y a quelque chose de très lumineux. Si vous êtes en couple, c'est que vous allez être capable de mettre des fondations solides dans votre couple. Et si vous êtes un homme, pareil, hein, au niveau... moi, je mets ça... j'ai tendance à mettre au niveau affect, ça, si vous êtes une femme, en tout cas, ça représente un homme dans votre vie, ça peut être un autre domaine de votre vie, en tout cas, où les fondations sont plantées, sont solides, et que vraiment, ça, c'est aligné, ça brille, hein. Vraiment, on a la carte illumination, donc quoi qu'il arrive, ça brille, peu importe le domaine de votre vie, mais si vous êtes une femme, en tout cas, il s'agit d'un homme dans... il peut très 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 probablement s'agir d'un homme autour de vous, donc au niveau affectif, ça peut être vraiment très très bon. Donc voilà, si vous avez pris le deuxième paquet, tout va bien pour vous. Peu importe le domaine, là, il y a vraiment un ancrage, des fondations qui se font et vraiment sur de très très bonnes augures avec la carte illumination. Là, vous devrez avoir une semaine qui soit vraiment plutôt sympa. Et enfin, le troisième paquet, on a la carte du pendu. La carte du pendu nous indique toujours un blocage temporaire. Vous voyez, il est pendu encore une fois. Elle fait un peu peur cette carte, mais il est pendu par le pied, hein. Il n'est pas pendu par le cou, il n'est pas en souffrance, il peut se détacher quand il veut. C'est aussi l'opportunité de regarder une situation sous un autre angle. Donc voilà, c'est un blocage temporaire, mais qui est toujours salutaire en fait. Il va nous permettre un peu de réfléchir, surtout que là, il est associé à la carte solitude. Vous voyez, la carte solitude, donc cette carte, les deux ensemble, moi ça me dit que actuellement vous avez rencontré peut-être un blocage, ça ne nous dit pas exactement dans quel domaine de votre vie, c'est peut-être général, mais en tout cas c'est par la solitude que vous allez pouvoir trouver vos solutions, d'accord? Vous vous sentez peut-être aussi un peu seul en ce moment, dû à ce blocage, c'est peut-être social, c'est peut-être affectif, mais en tout cas c'est le moment de ce blocage n'est pas là pour rien en fait, vous avez besoin, il semblerait, de vous retrouver un petit peu avec vous-même, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus. Et en tout cas, c'est un blocage, encore une fois, qui est temporaire, mais qui va être salutaire si vous l'accueillez comme il faut en prenant ces temps de solitude avec vous-même. C'est l'occasion d'aller un petit peu dans la nature, là vous voyez la personne est en bord de mer, mais elle est un peu en montagne, même à l'extérieur, marcher un petit peu. Même si c'est dans un parc, si vous êtes en ville, vous voyez,
prenez du temps un petit peu pour vous à l'extérieur. Quand généralement, quand on marche, ça nous aide un petit peu à mettre le cerveau en mouvement. Donc voilà, pour vous, c'est un blocage temporaire qui va vous aider. Il faudra voir ce qu'il y a derrière, qui va vous aider en tout cas à faire le point. Voilà pour les énergies de cette semaine. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous parle. Et ben moi, je vous souhaite une très belle semaine de pleine lune, hein, le lundi 16. Lundi, c'est la pleine lune. Donc pleine lune avec une éclipse. Si vous êtes dans le côté ouest de la planète, on peut dire ouest quand on est en Europe. Moi, je suis en Guadeloupe, donc je vais pouvoir voir cette éclipse lunaire. Donc si vous êtes dans ces eaux-là ou Amérique, Canada, vous devriez pouvoir la voir aussi. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, on est dimanche, donc ça sera c'est ce soir. C'est ce soir dans la nuit, de ce soir à demain. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao !